Un système de transport en commun. Ouais, c'est juste à côté, non? Ouais. Je monte le bus. Peut-être les points. Ça. Et le garçon. On l'a eu. Je fais passer à Ibrahim. Ce petit examen, je vois que j'ai encore beaucoup à faire. Ok. C'est bien. J'ai encore beaucoup à faire. Si je veux avoir une chance d'être ici, et de suivre ces cours, je pense sincèrement que je n'ai pas été à la hauteur. Même si toutes les conditions étaient réunies. Bon. Ah ouais, ok. Mais pour beaucoup, ce n'est pas acquis. Hein. Vous, votre place, elle se méritera. Il y a encore du travail. Est-ce que j'ai fait une tonne de paroles. Pour commencer, je vais d'abord dire merci à ma maman. Merci maman pour le transport. Oui, merci pour le temps que nos administrateurs nous ont accordé. Et puis merci aussi pour les amis qui sont d'abord, qui sont là, qui ont toujours été là aussi. Je veux d'abord commencer par la méthode par laquelle nous avons appris depuis le lundi, c'est-à-dire apprendre un peu à l'individuel grâce à ton voisin et grâce à Google, l'internet, tout ça.
Bon, en réalité, c'est une manière d'enseigner qui n'est pas vraiment familière à l'Ivoirien. Voilà, c'est pas, il n'aime pas qu'on lui dise d'aller chercher. Pour lui, quand tu veux le dire, voici comment on fait, et puis ça avance. Mais en réalité, on a compris, tu n'as pas dit que j'ai compris, que quand on n'appelle pas son voisin et qu'on se laisse la possibilité d'aller chercher ailleurs, en plus de ce qu'on veut savoir, on trouve encore d'autres choses. Donc je trouve que c'est vraiment une manière d'enseigner qui peut réellement développer les capacités des Ivoiriens dans le domaine des IT.